Chez les Bulles Productions. Salut les fatbikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors aujourd'hui, ravissement ça, j'espère. On va se faire le Lancelazy Chevalier Noir. Donc c'est un vélo qui va bien tartiner avec ses deux moteurs 2000 watts, mais qui a aussi deux batteries qui totalisent 45 ampères d'intensité. Donc comme tu peux le voir, c'est pas un vélo de petit comique. Allez, on y va. Fire. Alors, voilà le colis quand tu le reçois, 51 kilos le machin, c'est un truc de malade. Alors, il a été un petit peu écrasé ici, mais c'est vraiment tout, hein. Sinon le truc il est nickel et ça a été livré par UPS. Et voilà comment que c'est-il que ça se passe à l'intérieur. Alors, c'est pas fou au niveau de l'emballage. Déjà, c'est tout antiqué, on dirait un grand coup de latte. Toi, t'as un carton là, un carton là, un carton encore là-bas. Le porte-bagages qui est posé comme ça. Et le truc, tu vois, c'est que je trouve qu'il manque de la mousse pour bloquer la roue arrière, mais aussi de la mousse pour venir bloquer au niveau de la fourche. Bon, je dis pas, ils ont mis une mousse au-dessus, des intercalaires pour pas qu'il y ait de rayures, un petit peu de mousse là-bas derrière, mais pour le poids du vélo, je pense qu'ils auraient pu faire un peu mieux. Tu regardes d'ailleurs, quand tu prends le carton, là ça doit être la batterie, bah, tu vois, hein, là c'est le côté qui s'est fait écraser, et bah, la batterie elle s'est fait écraser aussi, tu vois. Et voilà ce que tu récupères quand t'as tout déballé. Alors, un morceau de vélo, la roue avant, le porte-bagages, garde-boue, le carton avec le chargeur, la lumière, un carton avec les accessoires et le carton complètement défoncé avec la batterie. Et dans le carton, on a l'antivol avec la clé, une manivelle en métal forgé, une moelle d'air, les pédales, un tournevis cicruforme, des bouts de caoutchouc, les clés BTR rallongées, la magnifique clé de 15 Zengong. Alors Zengong, si tu connais pas, c'est une grande manufacture de clés plates, mais elle fait que des clés de case. C'est vrai, chaque fois que j'ai une clé Zengong, c'était une clé de case. Alors celle-là, elle est bonne, mais un deuxième chargeur, un plug et la notice en rose beef, ça c'est mieux. Bon, on est parti pour le montage, alors on va commencer par le porte-bagages. Bon après, c'est pas compliqué à installer, hein. T'as juste deux vis à mettre et pareil de l'autre côté. J'ai installé la petite plaque, alors c'est juste trois vis à mettre, la manivelle a été fixée. Pour le garde-boue en plastique, c'est pas compliqué, c'est une vis qui vient traverser au niveau de la fourche. Et pour le guidon, eh ben, c'est les 4 vis que tu vas trouver sur la potence. J'ai retourné le vélo, installé la roue avant. Alors fais gaffe, parce que ça se met pas comme ça, tu vois, t'as des rondelles avec un petit détrompeur que tu mets par le dessus. Puis après, tu viens visser la vis avec la rondelle. Une fois la roue serrée, eh ben, je viens connecter directement notre moteur. T'as fait juste correspondre les flèches, tu peux pas te tromper. Ensuite, tu mets les pédales, alors fais bien gaffe, hein, parce que tu as le R, il faut le faire correspondre avec le R. J'installe le feu, mais avant, faut faire gaffe, hein, tu vois, déjà au niveau des caoutchoucs, mets-les bien au-dessus pour qu'ils tapent dans la batterie, sinon, bah, si tu les mets ailleurs, ça tapera nulle part et tu vas bousiller les côtés de ta lumière. Pour le raccordement électrique, c'est pas compliqué, tu vois, connexion jaune, tu viens le mettre avec la connexion jaune. Et quand c'est monté, et ben voilà la tronche du Biclou. Et honnêtement, hein, au niveau design, je trouve qu'il arrache du slip, on dirait un café racer. J'espère qu'au niveau comportement et conduite, c'est une pépite, parce que il y a une histoire, il y a un truc qui se crée. Je te jure, je commence à tomber amoureux. Il est magnifique ce vélo. Ma parole, il est magnifique. Autant tu vois, j'ai des vélos, j'ai le bimoteur là, en version 4x4, on va dire, avec les pneus tout-terrain pour aller dans le brun. Mais là, avec les pneus route, le design de la pétrolette, regarde la batterie, on dirait un réservoir d'essence. Ah, j'espère qu'il est bien, parce que ouais, c'est le début d'une grande histoire, je crois. Et voilà, la position, alors tu peux l'avoir bien droite quand tu te mets à l'avant, en version beaucoup plus tranquille quand tu te mets à l'arrière, et une selle interminable. Wow! Ah, je le sens bien, j'espère que le test ça va bien se passer. Merveille ce vélo. Coute me sang, je perds une puissance. On va arrêter là, on va faire le tour du vélo. Attention, voilà une Marie-Josée à grande vitesse. Alors par contre, j'ai oublié d'installer ça. C'est les rondelles de caoutchouc que tu mets là pour cacher les vis. Bon, on va passer aux dimensions. Alors, du bout du pneu jusqu'au bout du porte-bagages, là, on a 1m93. La hauteur de la selle en position, tu peux pas le changer, c'est comme ça, puis c'est tout. On est à 83 cm. On a donc la même hauteur pour lancer de guibole, hein, pour monter au-dessus.
Le guidon, il est pas réglable en hauteur, mais tu peux le changer en inclinaison et on a l'axe du guidon à 1m11 du sol. L'axe du pédalier est à 32,5 cm du sol et à 16,5 cm de la pédale. C'est, je pense, le vélo le plus lourd que j'ai testé parce qu'il fait 48 kg. Je t'avais dit, le carton, il est pépère. On a 9,5 kg de batterie, ce qui nous amène à 38,5 kg si tu retires toutes les batteries. Donc en clair, tu repasses une mèche, fais des frites pour ton porte-vélo. La plage d'utilisation pour les pilotes, c'est pas énorme. C'est 1m70 pour le plus bas et 1m90 pour le plus grand. Mais ça, c'est logique, c'est parce que la selle, elle n'est pas réglable en hauteur. Et ça résiste à un poids max de 200 kg. Vas-y, te paye, allez, ma perle. Et sur le porte-bagages, eh ben, tu peux mettre un poids max jusqu'à 25 kg. On est sur un cadre en alu, alors on va aller voir ça de plus près. Hein. C'est du tubulaire avec des bonnes grosses soudures comme on aime bien, un peu partout. Mais vraiment partout de chez partout, fin vlog. Je pense pas que tu vas péter une soudure. Peut-être les tubes qui seront fragiles, mais ça j'y crois pas de trop. Mais c'est pas la soudure que t'es vol péter, ça c'est certain. Au niveau du cadre, alors on est sur un machin avec des tubes et des bonnes grosses soudures, hein, tu vois le cordon. De ma boule acheté peu partout, mais vraiment partout de chez partout. Donc ça, si t'arrives à casser une soudure, t'es quand même costaud. Peut-être le truc qui risque d'être fragile, c'est les tubes, mais on est quand même sur du diamètre 30. Et puis comme tu peux le voir, ils ont renforcé ça de partout. Et regarde la patte de fixation pour venir y mettre l'amortisseur. Enfin voilà, le cordon de soudure, il est énorme. Mais le métal, il est énorme aussi. Hein. Là, on a 5 mm d'épaisseur. Et tout le cadre, il est en aluminium. Et comme tu l'as pu le voir, eh ben, il est suspendu. Donc l'axe du bras oscillant, il se trouve juste ici. Et là, on est sur des amortisseurs de malade. Alors, t'as la partie ressort ici qui va être réglable, plus ou moins. Il suffit juste de tourner, visser ou dévisser pour durcir ou assouplir. Mais pas que, parce que le piston qui sera à l'intérieur, eh ben lui, il est réglable au niveau pneumatique. Pour le régler, t'as juste à enlever le capuchon. Tu prends la pompe spéciale amortisseur que tu vas trouver à Decathlon, puis tu fais comme si tu voulais gonfler un pneu. Hein. Tu vois, tu visses le bordel. Et là, on t'indique la pression. On a 5 bars de pression sur un amortisseur. Ça, je l'ai eu à Decathlon, hein, ça vaut un peu moins de 30 balles, mais tu vas le trouver acheté peu partout. Alors, je vais pas toucher à la pression. On va déjà rouler, je mettrai ça dans mon test, dans mon sac pendant le test. Et puis, si c'est trop souple, je me remettrai un peu de pression. Si jamais c'est trop dur, eh ben, j'enlèverai de la pression. Si tu regardes bien sur le bras oscillant, ils nous ont mis ça. C'est des cale-pieds, mon ami. Alors, t'as les pédales pour le pilote et les cale-pieds pour le passager. C'est pour ça qu'on a une selle de ma boule, tu vois. Là, normalement, le pilote et ici, le passager. Mais je voudrais pas dire de conneries, hein. Je crois qu'en France, c'est interdit de transporter un passager sur un vélo. C'est uniquement une place. C'est con parce qu'avec 200 kg de charge, là, tu peux transporter un passager. T'imagines qu'on peut en mettre deux comme poids dessus. Alors la selle, parlons-en. Ça, c'est un... Ouais, c'est un truc synthétique. Ça a l'air pas mal rembourré à l'avant. À l'arrière, ça m'a l'air encore plus rembourré, mais ça on verra pendant le test. Sinon, on a 54 cm de surface utilisable en longueur et 14 cm de largeur. Elle est énorme, cette selle. À l'arrière, on nous a mis un porte-bagages en qui supporte 25 kg. Par contre, je trouve un peu petit. On a 28 cm de long sur 18 de large. Mais t'as quand même de quoi charger. Par contre, voilà, tu peux pas mettre les sacoches avec le retour parce que je pense que ça va venir berloquer et taper directement dans ton garde-boue. Bah le garde-boue, justement, parlons-en. Donc c'est un truc en plastique dur. Bah comme tu peux le voir, ça berloque pas. Hein. Bah ouais, parce que t'as un point de fixation ici, un ici. Le dernier qui va se trouver là. Et c'est fixé sur un châssis en tube avec des grosses soudures et qui est vissé directement sur ton bras aussi. Hein. Ça, normalement, je suis en berloque pour moi. En dessous, on nous a mis des pneus CST Scout, les pneus émopettes. Ça, c'est pour les mobilettes électriques. Et regarde le dessin. Alors, je suis pas fan des pneus CST, mais à voir ce que cela donne directement sur la route. Et ça, des pneus route, bah ça peut être formidable, surtout sur ce type de vélo-là, tu vois. Tu te doutes bien que tu vas pas aller faire le chabert et décoller des bosses avec ce vélo-là, surtout avec le design qu'il a. C'est plus pour tracer la route, hein. Clairement, ça, c'est un vélo de road trip pour... avaler les kilomètres, parce que tu vas voir, au niveau batterie, ils vont envoyer le steak. Et justement, ces pneus-là, normalement, devraient avoir un meilleur grip, parce que les pneus Shaoyang, ils sont formidables pour rouler dans le brin. C'est pour ça qu'il y a des crampons, c'est des pneus motocross, mais quand tu vas rouler sur bitume avec tes pneus de motocross, bah ça va carrément pas, parce que t'as un moins bon grip. Voilà, ça accroche moins bien, mais ça s'use aussi plus vite, parce que voilà, les surfaces en contact, ils sont beaucoup plus petites, vu que c'est que des crampons. Là, vu le dessin, normalement, ça devrait arracher du slip, mais ça, on verra pendant le test, hein, parce que CST, ils nous ont fait des bons trucs, mais ils nous ont fait vraiment du brin intergalactique. Ils sont montés sur des jantes en 20 pouces, et la dimension des pneus, je te l'ai pas dit, c'est 20 par 4. Comme tu peux le voir, ici, c'est troué.
Et ça, c'est fait pour éviter l'effet d'inertie. En clair, normalement, ça évite que ton moteur y consomme de trop et ça te permet de récupérer un peu plus de couple. C'est monté sur des rayons et au bout des rayons, on a notre moteur moyeu arrière. Et si tu regardes bien, aucune indication de puissance, 20 pouces, 48 volts. Mais la puissance du moteur, c'est 1000 watts par moteur, parce qu'il n'y a pas un moteur. Mais on a un deuxième à l'avant, avec un couple de 80 Nm, donc ça, normalement, ça devrait arracher bien juste sur un moteur. Alors imagine, 80 à l'arrière, 80 à l'avant, ça va tartiner. Il te l'annonce comme pouvant grimper des côtes à 45 degrés, et il est bridé à 25 km/h, mais je te montrerai comment que ces tics ont fait pour le débrider. Mais tu te doutes bien, police, menottes, prison, ce vélo, il n'est pas homologué PTT, car trop puissant. Parce que même si tu le brides à 25, il est trop puissant. Dessus, nous ont monté une cassette Shimano SIS. Ouais, c'est celle-ci, avec 7 vitesses, 28 dents, 24, 22, 20, 18, 16 et 14. Et au niveau des ratiches, eh ben, on n'a pas une dent qui est pareille pour que les vitesses elles passent mieux. En parlant de changement de vitesse, et ben pour ça, on va avoir un dérailleur Shimano Altus. Et la mouche dans le kebab qu'on aurait bien aimé sur un vélo à ce prix-là, c'est qu'il manque quand même la protection de dérailleur, hein, ça coûtait que dalle. Et c'est toujours une protection supplémentaire. Et quand tu regardes bien, ouais, la chaîne, elle est même limite trop courte. Bon là, ça va encore, hein, tes vitesses, elles passent bien. Mais il faudrait pas trop la raccourcir, hein, parce que ça craint du boudin. Il faudrait même rajouter un petit maillon, ça serait pas du luxe. Après, tu m'étonnes, la longueur que t'as entre l'axe de pédalier et l'axe de la roue, c'est énorme. Il te faut une chaîne 10 mètres. Là. On a quand même 63 cm entre les deux. Hein. La chaîne elle est entraînée par un plateau en tôle embouti de 52 dents. Ça, c'est quand même énorme. Avec deux disques en alu de chaque côté pour pas abîmer ton pantalon de smoking. C'est mis sur des manivelles en métal forgé et au niveau des pédales, donc on a les pédales en métal avec les bons crampons qui rendent bien si t'as une semelle tendre. Par contre, semelle dure, youp, ça dérape. Et regarde la platine du châssis, elle est énorme. C'est pas une petite patte, hein, le truc, ça fait 14 mm d'épaisseur. Ça tombe bien, on va vérifier l'épaisseur de la patte pour les amortisseurs. Je t'ai dit 4 mm et je suis carrément loin. On est à 11 mm. Au-dessus, ils nous ont mis un petit coffre. Je vois pas trop l'utilité, je pense que c'est plus le design qu'autre chose. Et ici, on a l'emplacement pour mettre une batterie. Donc ça, c'est la platine. Là, les pépions qui viennent récupérer le courant. Et la batterie, la voilà. Alors si tu regardes bien, là, t'as un bouton marche arrêt. Le petit pépion en silicone pour pouvoir charger ton truc. Surtout, jamais oublier de le mettre, sinon t'envoies du brin dedans. Ici, on a les caractéristiques techniques de la batterie. On est sur du 48 volts en 20 ampères, soit 960 watt-heure. Sur le côté de la batterie, là, t'as un témoin de charge lumineux à 4 LED. Et il n'y en a que 3 d'allumés. Elle n'est pas chargée à fond. Et ici, la petite serrure pour pouvoir verrouiller ta batterie. De toute façon, le pépion, tu vas le récupérer ici. C'est là le pépion qui sort. Et il y a ce foot là-dedans pour tout bloquer. Bon, accrochette marronne, c'est une batterie Samsung. Donc tu connais le discours, c'est pas fabriqué par Samsung. Mais les éléments qui sont à l'intérieur, c'est du Samsung. Donc ça veut dire que normalement, tu peux les recharger entre 900 et 1000 fois par rapport à 500-600 fois sur une batterie classique. Alors c'est pas ça qui va alléger le vélo, par contre honnêtement c'est ça qui va lui faire une sacrée autonomie je pense. Les clés pour verrouiller, elles étaient avec la batterie. J'ai retourné le vélo pour pouvoir accéder à la serrure, alors à mon avis tu vois ça sert à ça la platine qu'ils nous ont mis. C'est pour éviter d'avoir visuellement parlant un trou je pense. Donc tu prends les clés que tu n'auras pas besoin, hein. Tu allumes le vélo sans les clés, tu mets et tu verrouilles. Mais bon, accroche à ta marronne parce que si tu regardes juste au-dessus, bah t'as encore une batterie. Et qui ressemble étrangement à un réservoir d'essence. Donc là, t'as le niveau de batterie. Toi, t'appuies, c'est vert, donc c'est bon. Là, les caractéristiques techniques. Alors attention, c'est une petite batterie, hein, 48 volts en 25 ampères, soit 1200 watt-heure. 25 ampères sur la batterie du dessus. Bien sûr, on est encore sur du Samsung. 20 ampères sur la batterie du dessous. Imagine, mon copain, on est sur un vélo qui te propose 48 volts. 45 ampères de batterie. 45 ampères, 45 ampères. Ça devient une folie, les vélos qu'ils nous font. Déjà, j'avais essayé le Junet MX25 avec une batterie de 25 ampères. J'avais trouvé ça interminable, l'autonomie, parce que c'est bien beau d'avoir un moteur qui watte. Mais derrière, il faut avoir la batterie pour pouvoir alimenter le truc. La 45 ampères de batterie, avec deux moteurs 2000 watts, et ben tes batteries elles vont suffire largement pour pouvoir exploiter à 100% ton moteur. Tes moteurs même, c'est une tuerie. Ça honnêtement, c'est un vélo. Bon après voilà, si tu roules à 45 km/h vitesse max, ta batterie elle va fondre quand même vite.
C'est normal, il faut alimenter deux moteurs de 1000 watts, ça fait 2000 watts, plus les crêtes, t'arrives à 2500 watts. Donc tu vois, en termes de capacité des batteries, on va arriver pile poil pour alimenter ça. Mais si tu roules à 25 km/h, tu vas faire combien de kilomètres, mon copain? Ça va être interminable! Interminable! 45 ampères, je crois que c'est le vélo le plus lourd que j'aurais testé. Mais ça va être aussi le vélo, à mon avis, avec la meilleure autonomie que j'ai testé, mais ça on verra pendant le test. Bon, comme tu as pu le voir, il y a une serrure, donc il te faut les clés, que tu vas trouver ici sur le guidon. Toujours pareil, elles servent uniquement à déverrouiller et pas à allumer le vélo. Tu déverrouilles et tu pousses. Et voilà la batterie. Ici, notre platine, là, les pépions pour venir récupérer le courant, et là, le petit emplacement pour venir mettre la biloute de verrouillage. Mais t'enlèves la batterie du haut et il perd tout son charme. Bon alors, notre batterie, là, voilà, on va regarder ce qui se passe. Elle est lourde, hein. Elle pèse son poids. Eh ben, il n'y a rien de spécial. Donc, à l'arrière, ici, les petites pattes pour le faire coulisser. Là, notre pépion pour le verrouillage. Et de l'autre côté, on récupère ici le pépion pour le rechargement avec le petit silicone pour pas foutre de brin dedans. Bon, est-ce que je te dis l'autonomie qui a été annoncée par le constructeur? Alors, 120 km si tu fais qu'accélérer et si tu pédales pas. C'est un peu la manière pour ranger. Et si tu pédales, accroche et te marrante, 280 km. Alors, attention, on sait que c'est toujours des trucs élastiques. Maintenant, même si t'en as que la moitié, 140 km en pédalant, bah t'as pas besoin de batterie supplémentaire pour faire un road trip, mon copain. Tu peux faire même deux étapes avec le même biclou. Bon, ça, c'est à voir pendant le test. Hein. Bon, maintenant que j'ai retourné le vélo, on va regarder ce qui se goupille de l'autre côté. Alors ici, on nous a mis une béquille. Alors à première vue, elle paraît costaud, mais je te le dis, tu vois, voilà. Une béquille, quand elle fait ça, bah quand tu vas rouler, elle va faire le même. Et puis même, tu vois ici, tu vois, il y a du jeu. Et le ressort, il n'est pas forcément super costaud. Donc, tu vas passer ton temps à l'entendre berloquer. Ça, c'est chiant. Au-dessus, on est sur un frein à disque en diamètre 180 avec les étriers Disneyland hydrauliques avec les deux plaquettes Girls. La connexion du moteur, elle se passe juste ici. Donc, connexion ALC. Hein, tu vois, tout est colsonné en dessous. Et après, les câbles, ils repassent juste ici. Ils passent dans le tube et ils sont redistribués soit là, soit devant. On arrive à la roue avant, donc toujours les pneus CST Scoot Imopet en 20x4, jantes à rayon, frein à disque 280, étrier Disneyland avec les doubles plaquettes hydrauliques, la fourche longue que les i, donc là on est sur du diamètre de tube de 34 mm, fourche type moto, avec un tube à ressort, hein, tu viens régler plus ou moins la dureté ici, alors ça c'est dur, hein. Quand c'est dur comme ça, je te mets le tuto pour pouvoir assouplir le système. Et de l'autre côté, on récupère un tube hydraulique. Soit tu le bloques, soit tu le déverrouilles et tu fais plus ou moins sensible. Alors on va essayer de claquer la fourche, t'es prêt? Ah, c'est compliqué mais c'est pas claqué, il était loin. Et pour l'instant on récupère un débattement de 90 mm. Au niveau du garde-boue, ouais c'est un peu la mouche dans le kebab, donc toujours le plastique dur. Par contre tu vois, on a deux pattes de fixation mais qui sont mises sur la même vis. Il nous manque un ch'ti retour sur la fourche en plus tu vois. Il y avait le petit pépion, on aurait pu le mettre. Et puis surtout, voilà, mettre un garde-boue plus bas. Je trouve qu'il a été taillé trop haut, il risque d'envoyer plein de brins sur tes mocassins. Le truc, j'ai oublié de te le montrer, mais voilà, à l'avant, c'est un moteur aussi, aucune indication de puissance, mais c'est le même qu'à l'arrière, 1000 watts, 80 Nm. On continue, donc là, on arrive sur notre lumière, alors, à la de la tronche. Honnêtement, ça fait un peu super moteur, avec un look vraiment agressif. Le truc, hein, c'est que c'est vrai que ça fait style les petits barreaux, là. Mais pour avoir le même sur le X3000, je trouve que c'est pas si terrible que ça en éclairage, parce que les barreaux, bah tu les vois quand t'éclaires. Justement, donc si tu les vois, mais tu les vois que tu vois pas. Et ça te casse un peu la luminosité, ça c'est chiant de voir des barreaux ou des zones d'ombre. Et puis c'est pas assez large sur les côtés. Donc tant que tu roules sur une ligne droite, ça va, t'éclaires vachement loin, t'éclaires l'avant de ta roue. Mais quand tu commences à devoir faire des zigzags, parce que voilà, du gauche-droite, le soir, quand c'est pas lumineux, c'est assez chiant parce que tu vois pas bien sur les côtés. Quand tu tournes le guidon, c'est pas un problème, ça va éclairer la zone où tu vas aller. Mais justement, avant de tourner le guidon, sur les côtés, c'est pas assez large l'éclairage. Et c'est un peu embêtant. Et pour l'éclairage, c'est un module LED lenticulaire. Tu vois, ça fait une grosse lentille. Mais j'aime bien la tronche. Hein. C'est une belle tronche. Au niveau de la potence, on est sur une potence zoom, donc pas réglable en hauteur ni en inclinaison. Non, le seul truc que tu pourras régler en inclinaison, c'est le guidon. Guidon un peu style BMX qui fait 72 cm d'un bout à l'autre. Alors par contre, la mouche dans le kebab plus plus, regarde les poignées de merde. Ça c'est les poignées manches de pioche et j'ai horreur de ça, je vais les changer parce que
Voilà. Tu les tiens bien, hein, je dis pas, mais ils sont tellement durs, tellement grosses qu'au bout de 5 km, t'as déjà mal à la main. Les leviers de frein d'Island, alors ça, c'est pas les mêmes que ceux qu'on a l'habitude d'avoir, tu vois. Déjà, au niveau du levier, il est bombé. Ça te permet de mettre sans problème les 4 doigts. Ici, la petite molette de réglage, c'est génial, hein, ça te permet de régler la garde, hein, plus ou moins dur. Mais ça, c'est le top, mon copain, regarde, c'est un frein de parking. T'appuies, et voilà, ça maintient le frein. Et on a le même de l'autre côté, t'appuies à fond, t'appuies sur le bitonio, et te lâche. Alors comme ça, ça pourrait paraître inutile. C'est vrai qu'en mode vélo classique, à part quand t'arrives à la boulangerie vite fait et que tu mets les étriers de frein, ça permet d'éviter que t'aies un gars qui vienne, qui allume, vu que t'as pas besoin de la clé, et qui se barre vite fait avec ton vélo. Parce que même s'il allume, il n'arrivera pas à accélérer, comme les freins, ils sont actionnés. Le temps que ça lui monte au cerveau, voilà. Mais c'est vraiment un ch'ti tant qu'il vole, rikiki. C'est vraiment quand t'es à la boulangerie et que tu surveilles quand même ton vélo. Par contre, le point fort de ce système, moi je le vois, c'est quand j'ai la remorque. Parce que madame, elle a un frein sur sa remorque, donc pas de problème. Quand t'es sur du plat, t'as pas besoin du frein. Mais quand ça descend ou que ça monte, bah t'es bien content d'avoir un frein sur la remorque, ça évite de tirer ou de pousser ton vélo. Et vu que c'est un vélo qui, à mon avis, est taillé pour faire des road trips, c'est pas mal d'avoir mis cette option-là sur ce vélo-là. Et même au niveau de la poignée, tu vois, là, on est sur une poignée en métal forgé, elle est pleine. Alors que si tu vas sur un autre vélo avec les freins d'Island, eh ben, tu vois bien que la poignée, toi, ça, c'est de la tôle emboutie. T'auras plus tendance à avoir vite fait plier celle-ci que l'autre. Et t'appuies dessus, voilà, tu le déclenches. Ouais, donc c'est pour ça, comme alarme, ouais, ça tient 5 minutes, hein. Pour plus, même pas 5 minutes. Ici, les boutons de contrôle, plus, moins, marche, arrêt, information, lumière et CTVE. Là, t'as le petit klaxon qui hurle. Là, la place pour pouvoir mettre ton GPS ou ton téléphone portable. Pareil, juste ici. Là, on a notre display de la marque du Kawe. Je t'ai fait un tuto, je le mets juste ici. Et je sais plus, non, il n'y a pas de port USB. Ah bah non, pas du tout. Et ça, c'est vraiment dommage, hein. Ni sur le display, ni sur les batteries. C'est un vélo qui est taillé pour faire des road trips. Alors vas-y, mets-nous un port USB, tu vois, ça aurait été permis de pouvoir recharger les téléphones. Ça, c'est le petit truc manquant. De l'autre côté, le levier de dérailleur Shimano. Alors, soit tu appuies ici sur le petit bouton, soit tu pousses ici. Alors, c'est pas les meilleurs, mais là, je trouve qu'ils l'ont bien positionné, tu vois, parce qu'ils l'ont bien décalé. Donc ici, cette partie-là, bah, viens pas taper dans ton pouce quand tu serres la poignée. Et pareil de l'autre côté, tu vois, et ça reste accessible. Par contre, j'avoue hein, que sur le levier de frein, ça c'est pratique, parce que regarde, quand tes plaquettes, elles commencent à s'user, t'arrives au bout, donc t'arrives à rattraper la garde en vissant plus ou moins fort. Le truc, c'est que bah t'as tendance quand même à avoir ton doigt qui vient taper dessus. T'as un avantage et un inconvénient. La poignée d'accélérateur du manche de pioche, comme ceci, et toujours cette poignée dite à la con. Pour allumer le vélo, ça se passe ici, bouton marche arrêt, le display, il s'initialise. Donc là, on a le niveau de batterie sur 5 niveaux, la vitesse en temps réel, là le niveau d'assistance, 1 c'est en mode écho, alors si tu veux changer, tu appuies sur plus et moins, en mode 2 on est en mode normal, 3 normal aussi, 4 sport et 5 aussi. Là c'est la distance kilométrique totale, donc là ils ont fait 400 mètres. C'est pas beaucoup hein, mais au moins tu sais qu'à l'usine le vélo il fonctionnait avant d'être mis en carton, donc sauf si le transporteur il fait le chabert, normalement ça va s'allumer. Si tu veux changer ça, tu appuies sur le bouton I et tu passes au compteur journalier, vitesse max, vitesse moyenne. Et tu reviens à la distance kilométrique totale. Single B. Ça, c'est pour te dire, single, qui a qu'un seul moteur qui fonctionne. B, c'est à l'arrière. Si tu veux le changer, t'appuies longtemps sur le bouton plus. Et là, tu vas passer à dual. Ça, c'est les deux moteurs qui fonctionnent. Et si tu appuies sur plus, tu vas passer à single F. Et ça, bah, ça sera uniquement la roue avant. Quelle est l'utilité du système, tu vas dire? Bah, c'est royal. Ça te permet déjà d'économiser vachement de batterie. Pourquoi? Tu roules sur du plat. Bah t'as pas besoin d'avoir les deux moteurs et de tartiner. Bah, après ça dépend comment tu veux rouler. Mais si tu veux partir dans la conception qu'on part dans un road trip, tu roules sur du plat, tu te mets le moteur à l'arrière. L'avant j'aime pas. Je te jure, je préfère absolument l'avoir à l'arrière. T'as un vélo qui va pas partir comme une balle boche, mais qui va te permettre de monter quand même pas mal de petites côtes. Tranquille et détendu. T'as qu'un seul moteur, donc tu vas pas consommer de trop. Maintenant t'arrives. Le bordel, ça commence à grimper quelque chose de pépère. T'as une grosse remorque ou une caravane derrière ton vélo. Là, tu commences à en chier comme un russe, mais t'es sportif comme moi, donc t'as pas envie. T'appuies sur le bouton, pas besoin de t'arrêter, de cafouiller dans les displays et tout. Non, non, tout en conduisant, il n'y a aucun problème, tu peux le faire. T'appuies sur le bouton plus, et là, tu vas activer. Tu passeras du moteur arrière au double moteur. Et là, c'est la pépite, parce que là, tu grimpes tout. Il n'y a aucun souci. Après, quand tu vois que la côte elle est grimpée et que tu reviens sur du plat en haut, tu rappuies sur le bouton plus. Alors là, c'est chiant, ça se met sur seulement le moteur avant. Bon, moi, j'aime pas. Donc, je rappuie une deuxième fois sur le bouton plus et je réactive le moteur arrière.
ça va, un, t'économiser de la batterie, mais te permettre d'avoir, si jamais t'as besoin, parce que ça grimpe beaucoup, bah, la puissance des deux moteurs. Ah, je dis ça, mais je commence à tomber amoureux. Déjà, je te jure, le bimoteur de chez l'enculé Z, c'est une pépite. Mais il est fait, le X3000 Max, pour aller dans le brin. Tu vois, les pneus chaouillants, c'est vraiment, ça envoie du steak. Et la conduite d'un vélo à deux moteurs, ça n'a absolument rien à voir. C'est, je ne sais pas t'expliquer, il n'y a rien qui correspond à ça. Parce que tu vas prendre une moto, une mobilette, un scooter, tu es toujours tracté par la roue arrière, t'envoies la sauce, et quand ça ouate, tu as tendance à voir la roue arrière qui berloque comme ça, tu vois. C'est vrai, on a toujours l'impression qu'on va se faire doubler par la roue arrière. Quand tu le mets en deux moteurs, mince, c'est une pépite. Parce que tu as la roue arrière qui te pousse, mais t'as la roue avant qui tire, alors bah t'as plus du tout l'effet Chaberlock, ma tante Charlotte sur la roue arrière. Non, ça fait que tu peux passer partout sans problème, quoi. J'ai pas encore essayé, j'espère que je vais pas être déçu, parce que je te jure, je te l'ai dit, il y a une histoire d'amour, il y a un truc qui se passe. Je sens que ça va être mon futur bébé. Ah bah le José s'est acheté une nouvelle moto, la grande classe. Ah ouais, ou pas. Pour allumer la lumière, t'appuies sur ce bouton lumière. Et ici, tu vois, t'as une indication de lumière qui s'allume. Et au niveau éclairage, ça donne ça. Alors, tu vois, je te l'ai dit, hein, ça, t'as les zones d'ombre. Alors, ça se voit pas trop sur mon mur, mais je te garantis qu'en vrai, c'est énorme. Là, t'as lenticulaire qui éclaire vachement bien. Et sinon, je dis pas, hein, ça éclaire l'avant de ta roue. Ça éclaire au-dessus, mais ça, on s'en fout. Mais pas assez sur les côtés, hein, c'est net. Hein. Et à l'arrière, ça envoie du steak. Bon, peut-être le porte-bagages qui va peut-être gêner un petit peu la luminosité. Et quand tu freines, eh ben, c'est encore plus lumineux. Et pour éteindre la lumière, bah tu appuies sur le bouton lumière. Mais je me lasserai pas de cette vision. Qu'est-ce qu'il est beau ce vélo, c'est une tuerie, il est magnifique. Tu sais ce qui manque là? Il manque mon sac à dos avec les extenseurs pour partir en voyage. Bon, on va recharger les batteries. Alors par contre, ça c'est une pépite aussi, ils ont assuré chez l'enculé Z, c'est que t'as pas un chargeur, mais deux chargeurs. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'avoir un bi-batterie avec un seul chargeur. Surtout qu'on n'est pas sur des petites batteries 20A, 25A. T'imagines, si t'as qu'un seul chargeur, il va falloir que tu charges une batterie de 20A. Quand c'est fini, tu reviens et tu viens charger la deuxième batterie. Parce qu'attention, hein, c'est pas parce qu'elles sont mises sur le même réseau que quand t'en recharges une et quand elle est pleine, elle va pas recharger l'autre. Non, chaque batterie se charge à part. Donc tu charges une batterie directement en le mettant sur le connecteur de charge. Et quand elle est chargée, tu vas charger la deuxième. Là, avec deux batteries, bah, tu charges les deux d'un coup. Et tu gagnes à temps fou. Hein. Au niveau du chargeur, on a un cordon qui fait 1m50 entre ta prise et ton chargeur. Et entre ton chargeur et ton vélo, c'est un peu plus court, je dirais, ouais, 90 cm. Chargeur qu'on retrouve de plus en plus sur tous les types de vélos. Alors tu vois, le truc, il est quand même bien costaud, pas ventilé. Et pour les caractéristiques techniques, ça nous donne du 54V6 en 3A. Donc, un peu moins de 7h pour la batterie de 20A. Un peu plus de 8h, je dirais 8h30 pour la batterie de 25. Bon allez, je vais aller tester mon vélo, mais avant, c'est le moment d'acheter de publicité, mon copain. Bah ouais, regarde, les magnifiques gilets jaunes, Fat Biker, avec à l'arrière, accrochette marron, et Fat Biker. Ça, c'est du double XL, mais existe aussi en XL, si tu manges un peu moins à la cantine. J'ai pris des grandes tailles, parce qu'en général, tu le mets tout le temps au-dessus de ton blouson. Regarde ça, mec. Si ça, c'est pas la classe. Bon, par contre, je te le dis, c'est réservé uniquement aux beaux gosses. C'est si tu veux être discret. T'as branché tous les câbles, hein, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marrant, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon, allez, on ouvre la partie pour les tests de ce l'enculé Z Chevalier Noir. Alors là, on est en départ arrêté dans une belle côte, sur un seul moteur. Donc, comme tu peux voir, ça grimpe à l'aise. Mais n'oublie pas qu'on est que sur un seul moteur. Je fais gaffe parce qu'on est en vigilance crue. C'est bien mouillé, il y a les feuilles au sol. Mais tu vois, regarde, ça grimpe pépère, sans perdre ton slip, à 13 km/h. Maintenant, on va tester en bimoteur. T'as va vire. T'as perdu de culotte. Attention, c'est parti. Donc tu vois, le pneu, il part en burn à l'avant. Et là, c'est plus du tout la même mayonnaise pour la grimper. Je suis même obligé de ralentir alors que tout à l'heure, je lâchais pas trop l'accélérateur. Ah voilà. Regarde ça, l'accélération, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, on arrive en haut à 22 km/h. Bon, en mode bimoteur, grimper la côte qui va faire galérer une paire de trottinettes et de vélos pas puissants. Bah là, tu l'avales comme pour rire. Et là, on va attaquer la côte qui en a couché une paire. Mais alors, attends, on va le faire bien. On va se mettre au bas de la côte. On freine. Départ arrêté. C'est parti. T'entends le pneu, il part en burn.
uniquement à l'accélérateur, sans pédaler. Et regarde, 20 km/h, 21, 22, 23, il s'arrête pas. 25, 26. Là, franchement, je crois que c'est l'un des plus puissants que j'ai testé. De toute façon, à partir du moment où tu essayes les bimoteurs, enfin, tu vois tout de suite ce que c'est que la puissance. Et là, regarde, on va arriver en haut de la côte quasiment à 30 km/h dans les imperfections. On les avale comme pour rigoler. La fourche, elle bosse bien. Les amortisseurs du châssis, c'est pareil. Ce vélo, je te le dis, c'est une turbine. De toute façon, j'ai fait une paire de tests avant de faire le test aujourd'hui avec toi. Donc là, on est en vitesse max. Les vitesses, elles passent super bien au niveau du dérailleur. Et à 43 km/h, je te montre la cadence de pédalage. Donc voilà. Même 45 km/h. Donc on a un pédalier qui arrive à entraîner quand même le vélo. Par contre, je vais pas te mentir, la hauteur de selle qui est pas réglable fait que bah, tu peux pas pédaler non plus trop longtemps parce que t'as pas une super position pour pédaler et t'as vite mal aux genoux. Les pneus CST. Alors sur du plat, même sur du mouillé, ça tient vachement bien. Comme c'est des pneus route, honnêtement, ils accrochent bien. Ça fait que ça freine mieux. Parce que quand tu freines, voilà, tu pars moins vite en dérapage. Alors qu'avec des pneus Shaoyang, comme c'est des petits crampons, enfin c'est des crampons, la surface au sol de contact, elle est plus petite que là les gros crampons qu'on a. Donc ce qui fait que quand tu freines avec des Shaoyang quand c'est mouillé, enfin même d'autres pneus, on va dire fat bike cross, eh ben ton pneu il a tendance à partir en dérapage. Là tu vois, non, c'est pas le cas. Bon, bien sûr, si t'appuies comme un gouré, ça va partir en dérapage. Mais ça tient quand même nettement mieux, ce qui fait que t'as un meilleur freinage. La roue, elle se bloque moins facilement. Les poignées, c'est pas les meilleures, mais bon, c'est pas la même conduite que quand t'es avec le X3000 Max, donc en off-road, parce qu'en off-road, tu te cramponnes là directement à tes poignées. Là, t'as pas besoin, t'es en mode détente, tu vois, vu que tu vas pas aller faire le chabert, parce que tu te doutes bien que ça, c'est pas un vélo qui est fait pour faire le chabert et décoller des bosses. Même si le cadre le permettrait, les pneus, ils te permettent absolument pas d'aller dans la bidou là. Là, tu partirais en dérapage et tu te ramasses, hein. On va tester les amortisseurs, on arrive à fond de berzingue, 46 km/h sur un ralentisseur, mes copains. Et voilà, ça bouge pas, ce vélo, c'est une tuerie. Alors attention, on va aller faire un freinage d'urgence, 47 à l'heure, voilà. Tu sens qu'à la fin ça bloque, mais tu arrives à gérer avec les freins, les étriers d'Island hydrauliques, honnêtement, associés aux pneus route, ça fonctionne super bien. Et d'ailleurs, on va vraiment s'intéresser au problème des pneus route, parce que quand tu fais que de la route et pas de bidoule, c'est vraiment magique. Alors le petit défaut de ces pneus CST, parce que c'est vrai que quand tu roules comme ça, droit, ça va bien, c'est à partir du moment où tu te penches, c'est pas des pneus qui sont prévus pour se pencher, et faudrait faire gaffe parce que tu sens que ça part vite en dérapage, et même que ton guidon, il voudrait tourner. Et ça n'a rien à voir avec la fourche, hein, parce qu'elle est super rigide. Et voilà, quand tu tournes, elle tourne. Mais c'est les pneus. Ils ont un grip vraiment tordu quand tu les penches. Et ça part en cacahuète. Donc ils sont bien, mais faut pas trop se pencher. Donc je pense que je vais les changer. Mais la position de conduite que tu as sur son vélo, elle est géniale. Tu as le dos qui est bien droit, bien reposé. Et là, je peux te dire que tu peux avaler des kilomètres. Hein. Bon, allez, on va tester les niveaux d'assistance. On va se mettre en assistance 1. Et on va y aller au pédalage. Donc, j'ai mis la vitesse la plus dure, donc un peu compliqué à lancer le vélo. Donc tu vois, au pédalage, c'est vraiment super progressif. Et ça va t'amener à un petit 20 km/h. 21 même. Oh, 22, c'est mon tiers. Un petit 23, allez, 20 pour 23. Oh, bah, petit 24. Donc ça sera 24. Par contre, si tu prends l'accélérateur, eh ben, comment te dire, tu vas aller à la même vitesse avec l'accélérateur. Mais l'accélération, elle n'est pas du tout pareille. Regarde, hop, ici, on a une accélération qui est vraiment progressive au pédalage. Tu prends l'accélérateur, voilà, tu vois, tu pars en arrière, parce que lui, il envoie du steak, et ça, c'est génial. C'est-à-dire que si tu veux pas trop accélérer, tu pédales. Si tu veux, par contre, envoyer du steak, eh ben, t'accélères. Et l'accélérateur, il n'a pas de latence. Tu lâches l'accélérateur, tu reprends, le bordel, il reprend. Voilà, tu perds même pas une demi-seconde. On va se mettre en assistance 2, toujours au pédalage. Version, je perds pas ma culotte. Et tu vois, l'accélération, elle est vraiment progressive. Par contre, tu vois, hop, dès que j'accélère, et ben là, j'envoie du steak et ça va nous amener à 34 km/h. On va se mettre en assistance 3.
Et là, tu sens que ça accélère, mais c'est plus la même accélération que tout à l'heure. C'est quand même plus progressif. Pourtant, je suis à l'accélérateur et ça m'amène à 39 à l'heure. En assistance 4, pareil, tu sens une accélération, mais qui reste douce. On est à 43 km/h. Et si tu te mets en assistance 5, eh ben, ça va t'amener tranquille et détendu à 45 à l'heure. Donc, je te le répète, on est sur un sol mouillé. Et voilà le grip que tu as avec les pneus CST. Bon, je vais pas trop me pencher parce qu'après, je pars en dérapage. Mais tant que tu restes à peu près droit, eh ben, ça tient bien la route. Et la fourche, elle travaille rien de mieux. Les amortisseurs, c'est pareil, c'est une tuerie. Ce vélo est super confortable. Regarde ça dans les imperfections. On est à 45 km/h. La route, elle est complètement pour axe. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Et j'avale tout. Alors par contre, les garde-boue, ils sont pas super bien calculés. Et t'en prends plein tes pompes. Hey, 50 à l'heure dans les imperfections, mon copain. Regarde, ça bouge pas. Mais ça, c'est le poids du vélo qui fait ça. Le vélo, il est tellement lourd. Enfin, tellement lourd. Bah si, il est lourd. Que le truc, il est super stable. Tu ferais cette vitesse-là sur un vélo qui serait 20 kg de moins, t'es berloqueré dans tous les sens. Là, bien au contraire, même à 50 à l'heure, eh ben, le vélo, il avance pas. Enfin, il bouge pas. Alors, on a fait 10 km pour les tests d'autonomie. J'ai déjà fait bientôt 500 bornes. Donc, je te les expliquerai tout à l'heure. On va arrêter de rouler à 45. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, voilà, tu roules à 45 quand je fais des tests vite fait sur une courte distance. Là, je vais pas faire des longues distances à 45 km/h sur route. Parce qu'on n'a pas le droit, c'est interdit, je te le répète, sur la voie publique. Autant ça ne me dérange pas d'aller dans la forêt puis de tartiner comme un malade. Seulement, ce vélo-là, on ne peut pas aller dans la forêt parce que les pneus, ils sont pas adaptés pour. Et même, voilà, c'est pas vraiment un vélo pour aller faire le chabert, c'est plus un vélo de route. Donc, clairement et honnêtement, au prix du vélo, si tu veux t'en servir uniquement pour rouler à 45 km/h, bah, je te conseille de ne pas prendre ça et de partir directement sur un scooter électrique. De toute façon, on va en tester. Et là, tu seras dans les normes, tu seras dans les clous, tu auras le droit. Là, c'est interdit. Moi, ce vélo-là, je l'aime bien. C'est pas forcément pour la vitesse. C'est surtout pour la force qu'il a avec le deuxième moteur. Parce que tu l'as vu tout à l'heure, dès que tu enclenches le deuxième moteur, bah voilà, tu grimpes toutes les côtes, même si tu es chargé comme un mulet. Le petit défaut que j'aurais à dire sur ce vélo, bah là, je vais te le montrer direct. On va se mettre en assistance 1. On va freiner. Et j'accélère. Et tu vas voir, on arrive tout de suite à 25 km/h. Et ça, je trouve ça dommage d'avoir calé l'assistance 1 la plus petite sur la vitesse max autorisée. On est à 25, tu vois. Là, ce vélo-là, si je veux faire des grandes balades et apprécier la vie, bah, on n'est pas trop dans mon créneau. On est à 24 km/h. Moi, j'aime bien rouler à 18 km/h. Je trouve qu'on voit mieux le paysage. Et là, malheureusement, bah, il ne m'amènera pas à 18 km/h. Parce que même quand la batterie, elle va être quasiment déchargée, il va m'amener à 20, 21 km/h. Mais il n'ira pas en dessous. Et ça, je trouve ça dommage. Et il n'y a pas la possibilité dans le display de pouvoir régler les paliers. Et ça, c'est chiant, tu vois. Parce que ce vélo-là, bah, regarde en assistance 1, là, je suis à 27 à l'heure parce que ça descend un peu. Madame, elle, elle va devoir se mettre en assistance 4 avec son vélo pour rouler avec moi. Donc, c'est plus compliqué, vu que tu peux pas régler les paliers, de s'adapter avec un autre vélo. Et on aurait aimé avoir une vitesse plus petite en assistance 1. La lumière, bon là, on voit pas bien parce qu'il fait jour, mais je l'ai testée. Elle va bien aussi, mais elle éclaire pas assez sur les côtés. Et voilà, en ligne droite ça va, il n'y a pas de souci. Sur des longues lignes droites comme ça, tu vois bien, tu t'éclaires loin, tu éclaires l'avant de ta roue. Par contre, dès que tu commences à devoir faire des zigzags, c'est plus compliqué. Parce que tu vois pas trop la route là où tu dois tourner. La selle, alors au début j'ai eu peur, je vais pas te mentir, en termes de confort, mais jusqu'à 70 km, t'as pas mal au cul. À partir de 70 km, tu commences à sentir des gènes. À 90 km, là, ouais, ça commence à piquer sévère. Et quand tu arrives à 100 km, t'en peux plus du tout. Tu penses qu'à une chose, c'est te mettre un coussin sous ton cul parce que là, tu t'es fait ravager. L'avantage, tu vois, hop, tu veux savoir le niveau de batterie, tu cliques ici, en bleu, on est full. Je t'avais dit qu'en vert, c'était full. Non, c'est bleu, full. Tu vois, moi, j'ai pas besoin d'avoir un vélo qui va vite. Hein. Ce vélo-là, je l'adore, pas parce qu'il va vite. Bon, c'est vrai, quand t'es sous la flotte et que tu reviens à des courses, t'as envie de te dépêcher. Bon, bah, tu roules, tu tartines. Mais bon, c'est interdit. Mais 90%, même 95% de mes déplacements, je les fais en assistance 1. Et je les trouve vraiment bien parce que l'autonomie, elle est quand même vachement différente. Hein. D'ailleurs, je vais te les dire, si tu te mets en bimoteur à 45 km/h, tout le temps en accélérant comme un goré, tu vas faire 50 km d'autonomie avec les deux batteries.
Si tu te mets en bimoteur et que tu fais 25 km/h, là tu vas passer à 70 km d'autonomie. En simple moteur, en tartinant du mix, tu vois, en faisant une dizaine de kilomètres comme on fait d'habitude avec les tests, donc 13 km à 45 à l'heure, elle reste à 25. À crochette marronne, tu vas faire 120 km d'autonomie. En étant sur un moteur à 45, tu vas faire 100 km d'autonomie. C'est énorme. Et quand tu te mets en un moteur à 25 à l'heure, et ben là, tu bats tous les records et tu passes à 140 km d'autonomie. Imagine 140 km d'autonomie avec un vélo en sachant que c'est uniquement à l'accélérateur et que je pédale pas du tout. Donc j'aimerais bien voir l'autonomie qu'il y a quand tu pédales, parce qu'on voit que l'accélération elle est quand même nettement moins brutale. Donc tu consommes plus quand tu accélères comme un gouré. Là, l'accélérateur, en faisant les tests, j'ai fait uniquement l'accélérateur, donc j'ai consommé plus de batterie. Je l'aurais fait au pédalage, j'aurais fait certainement plus que 140 km. Mais ça a testé. De toute façon, je vais refaire un road trip vite fait, tout seul hein, sur une journée, et voir jusqu'à où je peux aller. Parce que c'est ça qui est génial avec ce vélo, en fin de compte. C'est, t'as la liberté de pouvoir aller quasiment où tu veux. Voilà, dire que t'es libre, quand t'as une autonomie de 20-30 km, bah pas forcément. Parce qu'il faut que tu fasses 10-15 km aller, et après il faut bien que tu reviennes. Donc t'es quand même la liberté d'être limité à 15 km autour de chez toi. Là, en ayant 140 km d'autonomie, ça agrandit le cercle. Et tu peux passer à 70 km autour de chez toi. Et ça, c'est génial. Le guidon, il est large comme il faut. Tu vois, comme on fait pas du franchissement et qu'on est souvent sur la route, un guidon bien large, eh bien, c'est la classe. Il se conduit parfaitement. Les poignées de frein où tu peux mettre ta main complète, c'est royal aussi. Franchement, c'est... J'ai pas beaucoup de points négatifs à te dire sur ce vélo. Si, je te les ai dit. Le garde-boue, à l'avant qui déconne, il t'en fout plein les pompes. Et à l'arrière, je sais pas ce qui se passe parce que je vois pas bien quand je roule, je me retourne pas. Mais voilà, t'en prends quand même sur ton sac et le garde-boue, enfin le porte-bagages, il prend plein de terre, plein de bidoules. Le défaut au niveau du palier 1 que je trouve trop haut, et comme la selle elle est pas réglable, si tu veux donner un coup de main à ton vélo et pédaler, c'est quand même assez fatigant, nettement plus fatigant parce que t'as le genou qui est complètement plié. Mais tu vois ce vélo là, il est tellement, je dirais lourd, mais c'est pas les mots, hein, c'est pas qu'il est, il met 3 heures à réagir, mais... Il est tellement lourd, c'est qu'il est super stable. Et quand tu roules à 25 km/h, bah sur des longues lignes droites comme ça, t'as limite tendance à t'endormir. C'est interminable. Tu vois ce que je veux dire? Alors tirer avec cette vitesse-là, 25 km/h, avec un vélo en mode le truc qui fait 20 kg, eh bah ça serait pas du tout la même mayonnaise parce que tu te cramponnerais au bordel tellement t'aurais peur de te ramasser. Là, à part dans les virages avec les pneus CST, sinon voilà, le truc il est super stable. Donc ça, c'est pas un vélo que je vais te conseiller pour aller faire le Chabert. Par contre, si tu dois aller faire un road trip, bah t'es au top du top. Avec les deux batteries et l'autonomie qu'on te donne, c'est un truc de fou. En plus, t'as deux chargeurs, ce qui te permet de pas perdre 3 heures. Hein, parce que si tu dois avoir un chargeur, charger la première batterie, à peu près 7 heures de chargement, attendre que ça soit chargé, le débrancher pour charger l'autre, bah écoute, tu vas passer ton temps à charger ta batterie. Là, avec les deux chargeurs, ça passe à l'esblaise. Et... le truc, c'est que tu as une des deux batteries que tu peux désactiver. Donc la batterie du réservoir, celle-ci, c'est la principale. Il n'y a pas d'interrupteur, donc tu es obligé de la garder telle qu'elle. Et là, tu vois, bah, j'ai pas mis en route la deuxième batterie. Comme ça, j'attends. Je vois, quand il me reste plus que deux bâtons de batterie sur la première batterie de 25 ampères, comme c'est la plus grosse, et ben, je fais demi-tour, j'active la deuxième batterie et je rentre chez moi et je sais que je peux rentrer. Le petit hic, tu vois, c'est qu'il faut faire gaffe, c'est que tu as une batterie de 25 et une batterie de 20. Et que la batterie qui est tout le temps branchée, c'est la batterie de 25, donc celle qui te donne le plus d'autonomie. Donc si t'attends, tu pars dans un sens et que tu attends qu'elle soit complètement déchargée avant de revenir, eh ben, tu ne reviendras pas en mode électrique jusqu'au bout. Parce que la batterie de 20 A, elle s'usera plus vite. Mais le guidon, tu as une place monumentale, assez pour mettre le display, assez pour mettre toi, ta pochette de téléphone portable. Et je voudrais rajouter encore un autre truc sur le côté, je pourrais sans souci. Regarde ça. Tu freines et même pas ça dérape. Alors au niveau de la selle biplace, il paraît, on me l'a dit, j'ai pas bien vérifié, mais que t'as le droit en France de monter un passager sur ton vélo si c'est pas sur la même selle. Bon là on est sur une selle biplace, donc normalement on pourrait. Et comme il y a des cale-pieds, normalement c'est légal de rouler avec un passager sur ce vélo là. Ouais bah de toute façon moi je vais me le garder. Les premiers changements que je vais faire, ça va être les poignées. Je vais mettre des poignées un petit peu moins épaisses, même si c'est pas trop inconfortable sur ce type de vélo. Je vais quand même les changer. Les garde-boue, soit je vais mettre une bavette, soit je vais les changer complètement pour les mettre plus longs. Parce qu'à l'avant, c'est terrible. Quand tu roules dans la flotte, t'en prends plein tes pompes, c'est chiant.
Sinon, pour le reste, ma copa, je peux te jurer que c'est que du bonheur, ce vélo. Tu sais ce qui manque aussi sur le vélo? Des clignotants. Mais ça, c'est pas un problème, je vais en installer, je vous ferai un tuto très prochainement sur l'installation de clignotants sur un vélo. C'est vrai que là, avec le guidon qu'il y a, tu peux décoller un petit peu, tu mets ton truc ici de Komodo de clignotant, clic-clac, Kodak, l'affaire est dans le sac. Hein. Surtout pour un vélo qui est taillé pour rouler uniquement sur route, autant bien se mettre. On va faire le test des pavés. Donc là, on va arriver sur un secteur avec des pavés moyennement prononcés. Tu vois, et là, ça bouge pas. Autant les bras sur le guidon que le cul sur la selle, les amortisseurs, ils font un taf de fou. Je te promets, c'est une tuerie. Et j'ai même pas eu besoin de les régler au niveau pneumatique. Hein. Et maintenant, on va sur un secteur pavé nettement plus prononcé. Et ben, comme tu peux le voir, bon, les bras ils bougent un petit peu, mais ça reste plus que correct. Hein. Là, le terrain est complètement pour axe. Donc, c'est vraiment un vélo qui est taillé pour faire de la route et faire des kilomètres sans aucun souci. Hein. Mais regarde le bruit qu'il fait sur les pavés. Écoute. Il est super silencieux, ce vélo. Les pneus, ça a vraiment une différence. C'est vrai que les pneus Shaoyang, en tout terrain, ils accrochent vachement bien. Mais dès que tu arrives sur route, ils font un bruit de fou. Là, ceux-là, ma copain, il bouge pas. Oh, bah, attends, je vais passer par là, c'est plus simple. Mais tu vois, le problème, bah, c'est ça, c'est l'angle de braquage. Parce qu'avec les pneus CST, t'oses pas trop te pencher, alors bah, automatiquement, ça rallonge, on va dire, ton angle de braquage. Bon, allez, on va rentrer à la maison, on va faire le débriefing. Je suis bien content, c'est que j'aurais pu faire le test avant qu'il pleuve. Parce que là, ça va encore être pépère aujourd'hui. Hier, c'était inondation partout chez nous. Un truc de dingue. Chez Les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors Jean-Luc, ça va aujourd'hui? Oh ouais, nickel, hein, je suis content, on va pouvoir attaquer les travaux pour construire ta maison. Ah ouais, c'était pas gagné, hein, il a fallu trouver l'architecte. Bah il y en a partout des architectes. Ouais, mais personne voulait faire une maison ronde. Une maison ronde? Ouais, toute ronde. Et c'est un architecte sur Lens qui va nous la construire. Une maison ronde. T'en as des idées, mon Jean-Luc? Oh, c'est pas pour moi, tu sais, c'est pour la belle-mère. Pour ta belle-mère? Une maison ronde. Là, Jean-Luc, je comprends pas. Bah, elle m'a dit que quand la maison, elle serait construite, elle viendrait vivre avec nous. Toi, vivre avec ta belle-mère? Mais c'est une vraie casse-burne. Ah, qui le dis-tu? C'est pour ça que je veux construire une maison ronde. Je vois vraiment pas le rapport avec la belle-mère. Bah moi je le vois, parce que tu te doutes bien que quand la belle-mère elle a dit qu'elle voulait vivre à la maison, eh ben Jean-Luc, tu vois, dans sa tête, ça a tourbillonné. Et j'ai trouvé la solution. Ah bon? Et t'as fait quoi? Bah je lui ai dit qu'il y aurait pas de place pour elle. Et elle, elle a répondu quoi? Elle m'a dit qu'elle avait pas besoin de beaucoup de place, juste un coin ça suffirait. Ah, alors t'as fait une maison ronde. Bah ouais! Ha! Allez, rentre chez toi, la belle-mère! Brrr, ça caille ici! Oh! Mais c'est quoi que ça? Bah, c'est un bonnet! Ouais! Ça tient bien chaud, ta truc, là! Ouais, t'as eu ça où? Sur le site fatbiker.org. Bon, bah, ça y est, je suis rentré! J'ai fait 30 km. La batterie, elle est encore bleue. Si tu regardes bien, eh ben, j'ai encore les 5 bâtons. Et pour faire tous ces tests, accroche à ta marronne, regarde, j'ai cumulé 513 km. Et je peux te dire, c'est quand même un sacré piclou. Bon, il y a des petits défauts, je vais te les montrer tout de suite. Au niveau du porte-bagages, alors c'est une option, hein, je te le rappelle, tu peux le dévisser et pas le mettre. Bah, ce que je trouve pas terrible, c'est qu'il est un petit peu petit et tu galères à mettre tes extenseurs si tu voudrais mettre fixer quelque chose au-dessus. Alors en clair, ça c'est plus pour mettre un top case. Et c'est pareil, hein, moi j'ai mis l'antivol ici, mais au début j'avais pas fait gaffe, je l'avais mis, hop, il passait par là. Et bah il faut vraiment faire gaffe parce que la lumière elle est quand même cachée par le porte-bagages. Alors si tu mets l'antivol devant, bah on voit encore moins. Ça c'est un petit bug, faudrait peut-être le déplacer juste ici, tu vois. Un autre bug c'est les garde-boue. Alors celui à l'arrière, bah là il est trop court. Il devrait être un petit peu plus long. Pourquoi? Parce que quand tu roules, et bah ton pneu il envoie des projections, et les projections, bah regarde bien, elles arrivent directement sur le porte-bagages et comme il est troué, ben ça arrive à passer à travers et toi si t'es trop derrière, et ben t'en prends sur ton sac à dos. De toute façon, comme tu peux le voir, le vélo il a été moucheté un petit peu de partout, regarde. Et ça c'est à cause de quoi? Bah du garde-boue à l'avant qui pareil est vachement trop court. Ils auraient dû au moins le faire descendre juste ici, parce que quand t'es en position balade, et ben tu mets
tes pompes comme ça au niveau des pédales, et là c'est clair et net, t'en prends plein la godasse. Et un truc aussi, c'est qu'il est trop court à ce niveau-là. Tu vas me dire, bah pourquoi? Bah parce que hop, ça roule, tu fais des projections donc par ici, mais tu fais aussi des projections par là. Alors tu vas me dire, bah ouais, ça te protège. Ouais, mais ça te protège que quand t'es à 25 km/h. Parce que les projections, quand tu vas en l'air, si tu vas trop vite, eh ben elles finissent directement sur ton phare. Regarde, je l'ai badigeonné de bordel. Donc le garde-boue à l'avant et celui à l'arrière, je vais regarder pour les changer. Et il y aura les pneus aussi que je vais pas tarder à changer. C'est dommage parce qu'ils vont vraiment bien, mais c'est à partir du moment où tu te penches. Hein. Je pense que sur les flancs, les crampons, voilà, ils auraient dû descendre un petit peu plus. Alors au niveau autonomie, quand tu mets qu'un moteur et que tu roules à 25, t'es capable de faire 140 km quand t'es uniquement à l'accélérateur. Donc imagine si tu pédales, ah ouais si, bah tiens, justement, en voilà un défaut, c'est que quand tu pédales, bah ta jambe, elle est trop fléchie. Si tu te mets en position la plus basse, on voit bien que le genou, bah il est trop plié, hein, ça devrait être plus droit quand même. Donc c'est officiel, ce vélo-là, c'est un vélo de feignant pour le mec qui veut pas trop pédaler. Parce que même si tu voudrais pédaler, à mon avis, tu fais pas 140 km en pédalant. C'est pareil pour la selle. Tu vois, voilà, plus d'autonomie, ça peut être bien, mais tu le feras pas en une fois. Parce que j'ai fait un trajet de 140 km en une fois, je suis garanti à la fin, j'en pouvais plus. Et vraiment à cause de la selle. Mais la selle, tu commences à avoir des problèmes qu'à partir de 70 km. Ouais, 70 km des gènes, mais à 90 km, ça commence à devenir chiant. Et à 100 km jusqu'à 140, j'en pouvais plus, j'avais plus comment mettre sur le vélo. Sinon, bah, c'est un sacré biclou qui est capable de grimper des côtes de ma boule, quelque chose de pépé. Et c'est ça l'avantage que t'as, c'est-à-dire que c'est sur du plat, tu mets qu'un moteur, tu consommes moins. Quand tu vois que tu commences à galérer et que t'as pas envie de trop pédaler, et bah, tu enclenches le bimoteur et là, bouah, tu pars comme une balle boche. Bon, on va passer à la notation. Niveau robustesse du vélo. Bah, qu'est-ce que je te dis de plus? Tu vois que le bordel, c'est du béton armé, quelque chose de pépère. On a des gros tubes, des grosses soudures, des grosses platines pour pouvoir tenir les amortisseurs. Bah là, je vois vraiment pas comment tu peux le casser, surtout que c'est pas le vélo pour aller faire le chabert. Donc ça, tu sais que ça va durer, tu vas le garder longtemps. Donc en termes de robustesse, on peut lui mettre 9 jbions sur 10. Je te dis, quand tu roules avec, mon copain, enfin voilà, tu roules même s'il y a des routes complètement pourries, à 45 à l'heure, le machin, il bouge pas. Bah voilà, tu sais que c'est pas du clinquant et que c'est du bon matos. Après, c'est du l'enculisie, donc l'enculisie en général... on est quand même sur une fourchette assez haute au niveau de la qualité. Au niveau confort du vélo, bah rien que je te dise, 70 km, t'as pas mal au cul. On a des amortisseurs de fou, une fourche qui absorbe super bien, des freins qui freinent rien de mieux, un guidon bien large. Bon, le petit hic, tu vois, c'est qu'on n'a pas le port USB. Ça, c'est vraiment dommage pour un vélo qui est capable de faire 140 km. C'est assez galère. L'autre jour, je suis parti en balade, mon téléphone était à moitié de batterie. Bon, bah, alors j'ai pas pu me servir du GPS tout de suite. J'ai pris une batterie de secours, je l'ai mis dans mon sac à dos, je l'ai rechargé. Et seulement après, j'ai pu le mettre. Donc si tu dois partir toute la journée, c'est assez galère. Ou alors avec la place qu'il y a sur le guidon, tu vas pouvoir te mettre ta batterie de secours, faire un système à la Walligan pour pouvoir la recharger. Mais ça, c'est vraiment dommage, ils auraient pu le mettre directement dedans. Sinon, moi je t'ai dit, j'ai rien à dire. En un moteur, ça passe. Si ça passe pas, tu enclenches le deuxième moteur. Vraiment, la conduite du deuxième moteur, ça a absolument rien à voir. Sur la bidoule, t'es au top, mais sur la route, c'est pareil. Donc, en termes de confort, pour le port USB, pour les garde-boue qui sont un peu foireux, pour le système de pédalage où tu peux pas trop donner de coups de main à ton vélo aussi, mais pas sur beaucoup de kilomètres parce que tu vas te faire mal au genou, bon bah ça, ça va lui faire perdre des points, et on va lui mettre 8 jbions sur 10. En termes de puissance moteur, on est sur 10 000 watts, j'ai pas vu le couple, je m'en rappelle plus, mais voilà, t'accélères, le bordel il part, donc on peut lui mettre sans problème 8 jbions sur 10. Pour l'autonomie, on avait dit que tu fais 7 km, t'as un jbions. Bah, on en a fait 140, alors ça nous fait 20 jbions sur 10. Donc on va s'arrêter à 10. Et au niveau rapport qualité-prix, voilà. Alors là, on est sur un vélo qui quand même est sur une fourchette assez haute. Après, il faut être honnête, on a de la batterie Samsung, on a deux moteurs, on a une fourche moto, les amortisseurs de fou. Donc tout ça qui fait que bah, ça fait grimper ton prix. Là, on est sur un vélo qui vaut 2 900 € en mode normal. Et pendant les Black Friday, donc jusqu'à la fin du mois, normalement, ils vont te faire baisser le prix du vélo de 100 €. Donc on arrive à 2008. Et je t'ai dégoté un code de réduction, donc je te le mets directement dans le descriptif de la vidéo, mais ça va te rajouter 120 € de ristourne, ce qui va te faire que tu vas pouvoir toucher le vélo à 2680 €.
Donc on est encore sur une fourchette haute. Mais voilà. Je te dis, hein, ce qui fait le prix du vélo, bah, c'est le moteur et la batterie. Et là, 140 km en bimoteur. Donc on est vraiment sur un tarif correct. De toute façon, quand tu regardes par rapport à la différence avec le X3000 Max, on est un petit peu plus cher, mais on a une batterie supplémentaire. Alors par contre, le code promo, t'es pas obligé de t'en servir. Si tu t'en sers pas, t'auras un autre cadeau, je te le montre. T'as le droit à un étui à lunettes avec à l'intérieur des lunettes et plusieurs verres. Enfin, tout un système complet. Des gants, enfin des mitaines. Là, j'ai vu comme c'était l'hiver, bah, ils avaient changé les gants et t'avais mis des gants hiver. Mais tu vois que les machins sont quand même bien renforcés. Ça, c'est pratique quand ils ont coupé les bouts de doigts. C'est pour pouvoir aller encore faire ton téléphone portable. Et un casque la mouche. Ça, c'est pareil que les gilets jaunes. C'est réservé aux beaux gosses. Et puis, escamotable. Ça m'a l'air moins con quand même que quand ça. Oh, l'air con. Plutôt un casque, t'as l'air con. Il est fourni avec un cordon de recharge. Pourquoi? Parce que derrière, ici, bah, t'as mis une lumière. Et ça, c'est pas mal, tu vois. Donc, lumière simple, tamisée. Tu l'as en mode flash. Voilà, clignotant. T'as plusieurs modes. C'est pas mal parce que comme la lumière, on la voit pas forcément terrible quand t'as mis le porte-bagages. Voilà, au moins, on te voit sur le casque. Donc les cadeaux, attention, tu les reçois uniquement si tu te sers pas de mon code. Alors tu choisis, soit tu prends 120 balles de ristourne supplémentaire, soit tu prends le casque, la mouche, les gants et les lunettes. Sinon, pour revenir sur le rapport qualité-prix, hein, on est sur un prix élevé, mais on a du matos de fou, c'est un truc de dingue. Donc on va lui mettre sans problème 7 jupions sur 10. Et tu l'auras bien deviné, je te l'ai dit, ce vélo-là, il est réservé aux gens qui veulent pas faire de sport, si t'as pas trop envie de pédaler. Si t'es plus voilà, à vouloir utiliser la poignée d'accélérateur, le petit X, c'est comme on n'a pas une selle qui est réglable en hauteur, bon, on est limité sur la taille du pilote. C'est pas un vélo qui va te permettre d'aller faire le chabert. C'est pas non plus un vélo qui va te permettre de traverser des routes de champ. Enfin, tu peux aller là où c'est sec, il n'y a pas de souci, ça va passer. Partir à partir du moment où il y a de la bidoule, t'oublies. Là, le bordel, il part en dérapage, c'est de la folie. Par contre, tu vois, ces pneus-là, ils sont pas faits pour la terre. Mais dès que tu arrives sur le bitume, même s'il pleut et qu'il y a des feuilles, le truc qui passe. Je vais pas te dire que voilà, ça accroche autant que quand c'est sec, mais ça accroche vachement mieux que des pneus fat bike en version cross sur route. Ça, voilà, faut faire gaffe, hein, surtout à la roue avant. Donc un magnifique vélo, mais qui a quand même une fourchette d'utilisation assez restreinte et vraiment réservée à celui qui veut faire de la ville, de la route au maximum. Donc voilà les gars, alors tu l'auras bien deviné, hein, ce vélo là, bah, il va venir s'additionner à ma collection de vélos, hein, c'est pour le grand plaisir de grand-mère, elle est pas très contente, mais non, un vélo comme ça, je te garantis, je veux pas le lâcher, c'est vraiment une merveille, parce que, je te l'ai déjà dit, tu choisis un vélo par rapport à toi, ce que tu recherches, c'est pour ça, il va peut-être pas convenir à tout le monde, mais moi, dans la version, je vais faire une balade tout seul, en road trip, c'est plus compliqué, je te l'ai dit, on n'est pas calibré. Mais il est génial. Pourquoi? Parce que moi, je pars en vélo, je pars faire un tour, mais je ne sais jamais trop où je vais quand je vais faire un tour et combien de temps ça va durer. L'autre jour, je suis parti, je me suis retrouvé en Belgique, mon copain. J'ai été manger une frite et après, je suis revenu. C'est ça la liberté, tu vois. C'est de ne pas être limité à une certaine distance. Et on aurait pu avoir plus d'autonomie, mais sur un seul parcours, c'est compliqué. Parce que la selle, au bout d'un moment, t'en as vraiment marre. Donc, je trouve que là, on est vraiment bien. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, accroche à te marrant. J'ai pas peur, je suis un fat biker. Fire.